pas, il est écrit que j'allais être parmi vous pour ma première fonction officielle en tant que Premier ministre de la République. Il était écrit que je serai Premier ministre à l'antan, selon le calendrier chinois, de l'année du coq de feu. Le symbolisme est fort, car les années du coq sont souvent des périodes mêlant droiture et justice. Ce sont deux valeurs nobles qui m'ont toujours guidé et qui m'ont été léguées par mes parents, Sir Annie Wood et Lady Jordan. C'est donc imprégné de ces valeurs que je démarre ma mission en tant que chef du gouvernement. Ce n'est pas une coïncidence que je démarre cette mission sacrée pour mon peuple durant l'année du coq. Il y a là certainement la main divine et la main du destin. Nous réussirons seulement si nous nous retroussons les manches pour travailler dans l'intérêt supérieur du pays. Donc mon gouvernement reconnaît l'immense contribution de la communauté chinoise à l'édifice de la nation mauricienne. Elle a joué un rôle prépondérant dans l'avancement économique du pays et je suis confiant qu'elle sera encore plus entreprenante dans la construction de la République de Maurice de demain qui sera basée sur la technologie et l'innovation. Nous comptons beaucoup sur la Chine, qui fait partie des pays amis qui nous ont toujours soutenus dans notre développement socio-économique. Et cette année, nous célébrons le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous devons marquer cet événement comme il se doit et en faire les prémices d'une nouvelle ère de coopération qui soit encore plus rayonnante. Mon gouvernement apprécie l'apport de la Chine au développement de notre industrie touristique. L'introduction du corridor aérien Afrique-Asie aidera à attirer encore plus de touristes chinois dans un futur pas très lointain. J'en termine sur cette sincère appréciation. Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, une très belle année du coq. Elle sera, j'en suis sûr, une année où les relations Chine-Maurice ne cesseront de s'approfondir et d'accéder à de nouveaux piliers. Satisfait de la soirée aujourd'hui? C'est la femme au cardiaque, fait bien sûr. Hein? Je vais passer un bon moment. Merci. Au premier jour, comme Premier ministre, comment passer? Bah, très bien. Beaucoup de travail. C'était aux premières visites officielles, tous, justement. Tous les jours. Vous partiez dans cette fonction avec l'Australie? Oui, si. Ouais. C'est la première. Qu'en pensez-vous de la fille? Bon. Ah là. Allez, bye-bye.